Salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito, Benito de Massanta. En va folie bal alien, folie albénien, nal fola selumba menon. Ka alana sansia, kadunki, sliaman ira nalama okela mina. Anka dou men beke bi, alama ben nala. Mal masala, aika trali men beke bi. Aïka la darime mbeke bi, ala ma mène, rani amina. Bonne fête à mon frère Shama Shama et à mon frère Suleiman Kamara. Bonne fête à ma belle chérie Oumou Fadiga Ndoye. Folie alnye, balka folie, donkin seli folie au bernye. Santa Benitole. Mettez les cœurs partagés. Vous savez, d'autres diront que c'est la fête. Il fallait faire une pause pour la fête. Non. Il n'y a pas de pause parce que c'est la fête. Il n'y a pas de pause parce que c'est la fête. Parce que ce qui s'est passé, faut qu'on fasse un fort. Parce que ce mentir-là, ce n'est pas du tout bon. Bonne fête à ma petite sœur chérie, Kadiatou Kondé. Et ça, il m'a faut. Kondé Mandem Kondé Foligné. Folie Alpenye. Ne me dites pas après que Benito c'était la fête. Il fallait faire une pause. Non, je suis à la maison. Je suis avec ma fille. Nous avons fini de manger. J'avais mon frère qui était venu me dire bonsoir. Mais l'inacceptable, faut partager la vidéo, mettez les bonnes fêtes à tout le monde. Voilà. Elle a partagé, c'est Massanta Benito. Elle a partagé. Mbala Falan, si ça, Massanta Benito ne plaît pas à quelqu'un là. Allez voir Massanta là, allez réclamer Massanta à Doumbouya ou à une autre personne. Aldi Diafama, bon vêtement, grand, moi, c'est manquant. Ma femme chérie, Saramika, comment vas-tu, mon amour? Folie Albénien, allez à partager. Famille, la situation des cancans aujourd'hui interpelle même ceux qui ont supporté Mamadi Doumbouya. Même ceux qui supportent Doumbouya là. L'affaire des cancans les a dépassés. Grand frère, je suis combattu. Ma cousine chérie Aïcha Bari, bonne fête à toi. Bonne fête. Famille Ondjoule Yang, Aïcha, on aïe. F. Konate, Asia Balde, bonne fête à tout le monde. Donc, Fantabil Konsako, merci, bonne fête. Ce qui s'est passé à Cancan, de passage, je remercie des frères. Mbara Falignana, si Cancan vous appartient là, vous comprendrez que nous sommes plus propriétaires de Cancan que vous qui pensez que vous êtes propriétaires de Cancan. Moi, je suis de la brique de Cancan. Mbara Falignana. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à Cancan est une humiliation totale. Pas pour vous, mais pour Doumbouya même. Vous avez vu? Il a boudé la fête. Il a boudé la fête. C'est à cause de ça, je dis à Doumbouya, de réclamer son argent. L'argent, pour que son argent est notre argent, parce que c'est l'argent du contribuable. Et car on, Allah le calminaté, c'est Dieu qui vous a pris. Parce que ça là, vous n'irez plus jamais dire à Doumbouya que quelqu'un l'aime. Vous n'irez plus dire à Cancan que le Mandem peut le supporter à une élection. Vous n'irez plus dire à ce criminel-là que non, il peut se présenter et puis gagner les élections. Vous n'irez jamais dire à cet individu-là, ma folie, aïbam, anéna. Mais ce que lui-même il a vu, ce que lui-même il a constaté, à Maloya les Kabo, c'est la honte mondiale. Merci honorable Kourma. Et quand on m'a fait le nana, ni même fait direct, le professeur Alpha Condé a béni, a aidé les gens là. Il a tout fait pour les gens là. Vous ne verrez jamais le soleil. On parle pas de boulot blanc, fin, susurro, à Bénitien. Même si vous faites une bonne chose, Dieu va mettre un défaut dedans. Sinon, ça, c'est une fête de Tabaski.
Ça, c'est une fête de Tabaski. Mais si ça s'est limité à la fête de Tabaski, on peut comprendre. Une fête est une fête, comme dit le Vaurien là. Comme ça. Une fête est une fête. Mais la façon que vous avez donné une tonalité, bruit même que la fête y fait. Parce que vous avez poussé le gouvernement. Vous avez poussé les gens à débloquer plus de combien de milliards? Plus de 4 milliards. On ne fait qu'on ne sait pas 5. 4 milliards de francs guinéens. Pour une seule fête. Parce qu'un individu doit aller à Cancan. Combien de familles ont fêté sans manger? Combien de familles aujourd'hui ont fait cette fête de Tabaski sans viande? D'autres ont fait simplement gagner et puis c'est terminé. Et puis c'est ça, c'est ce qu'ils ont eu. Beaucoup se sont battus pour avoir le riz blanc. Et voilà aujourd'hui. Voilà mon grand frère m'a fait Salmafo. Merci beaucoup mon grand Ali Moutraoré. Merci pour le Salmafo. Frère, merci beaucoup grand frère Ali Moutraoré pour les 1000 étoiles. Merci beaucoup. Vraiment respect à vous mon frère. Bonne fête à vous. Bonne fête à tout le monde. Parce que mon mère dit, je le dis et j'insiste. Regardez aujourd'hui, je m'adresse à des intellectuels, ceux qui sont allés à l'école, hein, ceux qui peuvent monter un projet, ceux qui peuvent détailler un projet de développement. Je dis bien, un projet de développement. Quand vous remettez aujourd'hui à toutes les associations féminines, organisations ONG, vous remettez à chaque groupe, regroupement féminin 10 millions de francs guinéens pour les cultures maraîchères et autres là. Wallah billette, les femmes là peuvent sortir des oignons et autres tomates là avec 10 millions de francs guinéens. Il y a combien de 10 millions de francs guinéens dans 4 milliards? Et puis l'argent n'appartient pas à Doumbouya. C'est un budget qui a été voté par des vauriens. Faire croire que, parce que l'objectif était de faire croire à Doumbouya que lorsqu'il prenait le RPG, parce que Mara Fragnana, l'affaire du RPG doit être un rêve pour vous. Le RPG là, c'est pour nos papas. Et ce qui me rend très fier du RPG là, c'est que les enfants du RPG là, les enfants des fondateurs du RPG ont su prendre la relève. Parce qu'Albito le RPG, Nalkito le RPG, Kolafanal Kuntolaro. Funal Kunte, et quand il était à le propriétaire d'une maison là, vraiment, s'il est vraiment le propriétaire là, il le montre par tous les moyens. Allez-y au siège du représentant ancien. Est-ce que nous avons fait du bruit? Est-ce que nous avons fait du bruit au siège du RPG? Vous avez empêché les gens de se regrouper au siège du RPG. C'est méchant. Bonne fête à toi, mon frère de sang d'Amaro. Bonne fête à toi. Merci. Vous avez empêché les gens d'aller se regrouper. Parce que c'est-à-dire les fonctionnaires et autres là, vous avez envoyé, vous avez préféré envoyer 50 000 carburants pour des jeunes à Sigiri Mandiana que Laolma. Nos parents nous ont très mal mangé. Sinon, Alba Tabaski, la Guinée, les gens ne font que poster les photos. Les gens que. Regardez la toile. Les gens ne peuvent même pas poster. RTC, vous moriconnez. Comment est-ce que lui peut proposer un budget pour une fête, pour le retour du fils du terroir? Vous appelez fils du terroir. C'est quelle fierté que le Mandé a envers Doumbouya. Doumbouya a quelle fierté à montrer au Mandé. Moi, je demande, c'est ce que j'ai dit au frère Diakité. Donnez-moi ça, montrez-moi une seule fierté de Doumbouya. Vous êtes fier de Doumbouya, dans quel sens? Si tout de suite là, on n'arrête pas quelqu'un, on n'agresse pas quelqu'un, on demande des comptes à Doumbouya. Dès que moi, Bento, je soulève la question des morts du 5 septembre, la question des différents assassinats qui se passent actuellement là, dans le temple de la Kassoula, ils vont oublier, de non, quitte là-bas, parce que Mère Daro, Kolo est versé, au testament. Pourquoi vous empêchez le RPG de se réunir, que la fête, tout est organisé autour de la mamaya de Kabada ou je ne sais pas de où, et du stade Balmadi Diakité. Mais c'est la fête, c'est ce que Djeliman disait dans son direct. Djeliman dit, quand on a comme politique,
Mais dès que vous allez entendre le nom du professeur Alpha Condé, Kaïb là au compte, aujourd'hui, parce que nous sommes tous directs là, mais il y a Aibra Konko, RPG Couture, vous avez mis les enfants en prison, un premier groupe est en prison. J'ai le même traitement, fait ça, Kaka, dès Kassola. Aibra, vous l'avez intimidé, il m'a ôté que la Kanka au corps. Maintenant, RPG Couture, les jeunes du RPG là, allez avec Aoul Lemina par rapport à demain. Et aux, voilà Doumbouya a boudé votre cérémonie aujourd'hui. Vous pensez que Doumbouya est... Quand il rentre, regardez comment il rentrait. Ils ont changé de chemin, ils sont partis par, ils sont passés par le pont pour montrer aux gens que Diama a comme. Mais lui-même, il sait. Regarde, t'as un boulot craté. Diama a bête dans le premier, deuxième, troisième rangée. Abraham Cameroun dit qu'il y a la bille. En Kafouaïne, la balle, le cancal à la haute qu'il est sur le RPG. Abraham, donc on doit répéter encore une fois, vous. Doumbouya doit réclamer l'argent et en même temps, j'insiste, Doumbouya doit nous remettre notre argent. Vous devez remettre les 4 milliards à leur place parce que, au fait, les 4 milliards n'ont pas été dépassés. Les 4 millions n'ont pas été dépassés. Les 4 milliards n'ont pas été dépassés. J'aurais appris même que beaucoup sont restés à Conakry. Ils n'en sont pas partis. Beaucoup sont restés. Oui, ils ont raison. Beaucoup sont restés à Conakry. Beaucoup sont restés à Conakry. Ils ont pris l'argent et sont restés à Conakry. Est-ce que vous comprenez? Donc, encore une fois, à ces vendeurs d'illusions, je dis bien à ces vendeurs d'illusions, à ces menteurs, non, point même, je reviens sur le dernier point et puis je laisse mon direct comme ça. C'est par rapport aux élections à venir. Je pense que Alain Goubarawa, il a compris que le mandat ne va jamais le supporter dans ses bêtises, il le sait très bien. Parce qu'il y a une organisation, nous avons vu une association qu'on appelle Wulu Pharma. Wulu Pharma est l'association, celui qui est à la tête de Wulu Pharma là, l'association, Bec a plaqué, si j'ai ça là, mon téléphone là, il est là. Quoi Wulu Pharma, attends, aïe. Bon, on dit ça, ni ça et c'est ou bien après. Quoi Wulu, ah là, maintenant, il y a Nda il en a direct de l'eau. Merci Zaraba, bonne fête. Ou le Pharma Association. Si Doumbouya, Doumbouya là, Doumbouya est un ou le Pharma. Si Doumbouya est un ou le Pharma. Almeya fait qu'à Doumbouya bla bêtisero. Almeya fait qu'à bla erreurro. Almeya fait qu'à Doumbouya bla tantan. Prenez ce qui s'est passé à Kankan aujourd'hui. Alia qui allait, allait en climat, allait ma frère, allia l'on commandé, m'a décidé qu'ils ne vont jamais accepter de porter le chapeau de l'erreur commise par Doumbouya. Mandé na mission, c'est-à-dire mandé un koumakanori à travers ce qui s'est passé comme ça. Les gens ont pris de l'argent pour le table parce que vous avez appauvri la population. C'est un système des dictateurs. Ils appauvrissent la population, l'armée, les fonctionnaires. Donc, ni même avec la manifestation, mais avec la revendication qui a dit l'Ondioma. Sauf qu'à Kankan, les gens sont très dignes à Kankan. Voilà. Les Kankanais, là, au bras fallait dans la vie. Parce qu'ils n'ont pas besoin de venir dire qu'à fond, non, on t'a fait. Kankan, quand le cuit a manqué, moto, là, on ne fait pas ça. Même qu'elle était au Tekela. Il y a même parce qu'il y a eu l'effort en Bramoli au départ. Que c'est Alpha Condé qui a organisé le coup d'état. Ni ici, il n'y avait pas Matou, il n'y avait pas Damaro, il n'y avait pas Benito, il n'y avait pas Mamoudou pour expliquer ça aux jeunes femmes. Bertou Mbrataro. Parce que c'est où le trait continue là. Kouma Kele, où le trait continue là. Oui, effectivement. Parce que ce qui s'est passé à l'abbé là, ce qui s'est passé à l'abbé, moi-même je connais cette place de l'abbé où on prie. N'importe qui, mais ce n'est pas un problème de Doumbouya. Ni Ouara Selima, le monde est comme ça à la place, de, là où on prie à l'abbé. Il a profité de ça. C'est la même chose qu'ils ont voulu faire à Kankan. Mais sauf que cette fois-ci-là, les gens ont décidé de lui montrer par A plus B qu'ils ne sont pas, ils ne vont pas l'accompagner dans l'erreur-là. Parce que moi aussi, t'as fait. Moi, je remets, la population de Kankan est en train de dire aux gens, ce qui va arriver un jour-là, il ne faut pas qu'un jour,
que les autres communautés, les autres raisons disent, avec tout ce que Doumbouya a fait, vous l'avez accompagné dans cette bêtise. C'est ce que Kankan a refusé. Kankan qui bat au lema. Kankan t'a fait au l'effort. Oui, parce qu'à Tewala Sigiri à Kalanko, il ne peut pas aller à Sigiri, il le sait. Il ne peut pas aller à Mandiana et Kerouana. Mais Kankan a réaffirmé encore une fois. Je pense que tous les petits communicants, les communicants de CNN, de Mansabila et son groupe là, parce que c'est lui que j'ai vu tout de suite là avec Lille quand on discutait, que lui, la gestion de Doumbouya est à peu près bonne par rapport à la gestion de Alpha Condé, mais lui n'accuse pas Alpha Condé, il accuse les ministres d'Alpha Condé. Un bête comme ça, là. Regardez quelqu'un qui raisonne. Qu'on n'accuse pas Alpha Condé, que c'est les ministres d'Alpha Condé qui l'accusent. Un vaurien comme ça, là. Hein? Ce qui se passe en Guinée actuellement, là, je ne sais pas où on peut dire qu'il y a du bon, où le bon a été fait. Même les routes, là. Moi, je vous ai dit ça, mentionne, parce que dans sa tête, là, il n'y a que le caca dedans. Toutes les routes que vous voyez comme ça, là, les épaisseurs ont été modifiées. Moi, aussitôt, voilà, vous ne verrez jamais. Vous avez vu hier, là, Tamba Zakaria de GG a menti. Il a fallu que Damaro sorte pour le mettre à sa place. Parce qu'ils ont pris des routes d'un pont d'un autre pays, là, pour dire que c'est le pont de Clément 36. C'est pourquoi. Regardez tous ces exemples-là. Bah, lui, bonne fête. Donc, encore une fois. Nous réclamons l'argent des Mori Kondé doit déposer. Normalement, Doumbouya, Mbrafou, il y en a deux fois, il faut être un petit garçon. Quand tu rentres à Conakry, des actions comme ça, tu limoges tous ceux qui t'ont menti. C'est comme ça, dans ce qu'on te faisait. Lorsque les gens organisaient les cérémonies à Kindia, ici, là, des festivités, c'était chaque année, c'était annuel. Au retour, là, quand il y a des cérémonies, ils sanctionnent les personnes. Alpha Kondé, je le faisais. Mais toi aussi, il faut avoir le kilo. Quand tu rentres là, il faut essayer de sanctionner. Essaye de sanctionner un peu parce que ça là, ce n'est pas la première personne à commettre des erreurs comme ça. On t'a menti, il n'y a pas ce que... Non, comment dire que Kankan, il y aura du jamais vu à Kankan. Les gens vont quitter Mandiana, ils vont quitter Kerouani, ils vont quitter Sigiri, ils vont quitter Koussa, Kobeignon Ben Kankan pour accueillir le fils du terroir. Voilà la suite. On dirait un match de football. On dirait un match de football. Donc il faut avoir le cœur. C'est-à-dire qui sanctionne Mori. Merci beaucoup, Djamila Naza. Merci, ma soeur. Il faut sanctionner Mori. Pour appeler Queen. Quitte là-bas, Queen. Quitte là-bas, bébé. Quitte là-bas. Quitte là-bas, please, baby. OK? S'il te plaît. Bon, c'est highway. Non, non, non. Aja na hier. Non, tomorrow. Yes, baby. Ok. Donc, encore une fois, on ne peut pas prendre, même si c'était 1 milliard pour une fête, c'était pourquoi l'objectif, le but. C'était pourquoi. Si ça a échoué, qu'on retourne notre argent. La Cour du village, c'est pour ça. Je réclame cet argent. Je parlais de cet argent. J'insisterai. Il faut que l'argent soit remboursé. On ne peut pas débloquer ces montants. Et que les gens encaissent, ils déposent par-ci, par-là ces montants. Dans les comptes bancaires partout, plus de 4 milliards. Et voilà pourquoi, regardez la suite. Ce sont les informations que nous recevons dans nos téléphones. Que cela a été très mal organisé. Et oui, ça se voit que cela a été très mal organisé. Les comptes bancaires ne sont pas allés. Ils ont donné à chaque chef de cabinet qui est de la Haute-Guinée, chef de cabinet, directeur national, inspecteur, tous ceux qui sont de la Haute-Guinée, même les Français, en tout cas qui occupent les grands postes au niveau du CNRD, dès qu'il t'a ouvert, qu'il t'a mobilisé là. Ici, ça a échoué. Demandez les comptes. Demandez les comptes. Non seulement nous, nos parents n'ont pas été payés. Les fonctionnaires n'ont pas été payés. Les gens n'ont pas été payés. Moi, ma audition. Un mouton à combien? Un mouton à 3 millions. 4 millions, un mouton. Vous verrez que moi, je me fousseront pour faire la fête de Tabaski. Maintenant, là, si vous avez débloqué 3, 4 milliards, vous allez vous faire oublier. Et puis, c'est pourquoi? C'est pour accueillir un criminel. Il y a des comptes. Il y a des comptes. Vous rendez des comptes. Même si on sait que vous n'allez pas ramener l'argent à Oloni, l'argent ne va pas. Vous allez vous faire oublier. Les calons. Vous allez. Regardez. Il y a eu comme un scandale dans les banques et autres, là. Les 400 et quelques milliards, là. Mais quand le font, tonton Karimien, quand tu penses qu'ils vont sanctionner quelqu'un,
Encore non, cette fois-ci, Doumbouya va sanctionner. Doumbouya ne va sanctionner personne. Personne ne sera sanctionné. Et dit bientôt, j'ai dit, personne ne sera sanctionné. Même si on disait que c'est 697 milliards, ou le tout loutre, Doumbouya ne va jamais sanctionner quelqu'un. Même si c'était 700 et quelques milliards. D'ailleurs, Ikalon, toi-même, tu sais que ce n'est pas le montant exact que l'inspection générale a montré à Doumbouya. Il y a eu des arrangements. C'était dans les 600 et 700 milliards. Ikalon a 400 et quelques milliards. Mais le problème, quels sont ceux qui ont volé? Quel est le réseau qui a détourné l'argent? Les réseaux ou bien le réseau? Qui sont à la tête de ces réseaux? Hein? Qui sont à la tête de ces réseaux? Qui? Dioué? Excusez-moi. Deux réseaux, le Kouna. Quelles sont ces personnes-là? C'est Idi Amin, il y a son réseau. Amara, il y a son réseau. Djiba Yagite, il y a son réseau. Tchernoma, il y a son réseau. Ces différents réseaux-là. Amara a son réseau. D'abord, tout est chapeauté par qui? Par le général Idi Amin. Qui ose s'attaquer au réseau du général Idi Amin? Qui? Personne. Djiba Yagite, le conseiller, personne d'Oumbia. L'Oumbia a tiré les bras en Europe, en France. Hein? Donc qui? Qui ose? Excusez-moi, je vais nous diminuer un peu de personnes, quoi. Voilà, un peu. Donc aujourd'hui, si on n'ose pas réclamer de l'argent à ces gens-là, sinon comment un inspecteur, si c'était le temps de l'ancien accordé, même si l'ancien accordé était un militaire, hein, mais on venait de dire à l'ancien accordé que 400 et quelques milliards sont disparus. Je vous le jure. Je vous le jure. Je vous le jure, 400 milliards, l'ensemble en compte aurait mis tout le département en prison. Alpha Condé même, on n'en pas. Fumba, ni direct la bonne fête. Alors, ni direct la bonne fête, ok? Ok. D'accord. Ni Bansen, ni Kili, je t'appelle tout de suite là, oui. Je suis en direct là, oui. Hein? Mais comment est-ce qu'un inspecteur, l'inspecteur général, vient rendre un document à Doumbouya? On te dit, voilà, l'argent n'a pas été volé, mais on dit que l'argent n'a pas été encaissé. Parce qu'il y a, différentes manières de voler. On peut dire, oui, l'argent a été déposé à la banque, on a décaissé. Là, c'est facile de prendre les gens qui ont décaissé. Qui est parti à la banque? Qui a décaissé? Les traces sont là. Mais on dit que le montant là devait aller à la banque, mais le montant n'a pas été déposé. Maintenant, si les montants n'ont pas été déposés à la banque, l'ensemble vers plus de 600 milliards, c'est facile de retracer. Quels sont les départements qui sont censés déposer cet argent à la banque centrale ou bien au trésor public? Il s'agit d'aller prendre les directeurs et les ressources financières de ces banques-là pour les mettre en prison. Vous allez comprendre tout de suite qui a pris milliards, qui a pris 2 ou 3 milliards. C'est facile. Mais si c'est un réseau où Doumbouya ça part dedans, vous pensez qu'ils vont prendre quelqu'un? Voilà, depuis ça, comment t'as dit? C'est passé. Est-ce que quelqu'un est venu vous demander? Quelqu'un est venu dire non, les enquêtes sont en cours, les responsables seront punis? Personne. Maintenant, au-delà de tout ça encore, est-ce que ce n'est pas insolent? Et les gens viennent d'écouter ça, viennent d'écouter le rapport de l'inspecteur général, et que les individus se lèvent demander 4 milliards pour aller faire une fête à Cancan, et voilà le résultat de Cancan. Ils savent très bien qu'ils ont affaire à une ville où il n'y a que des 10 enfants. Cancan n'est pas comme vous. Je vous dis, quand vous voyez quelqu'un de Cancan qui est malhonnête là, je dis bien, quand vous voyez des gens comme ça, malhonnêtes, c'est que les gens n'en sont pas des dignes. Sinon, la ville là, en tout cas, jusque là, la ville là, garde des enfants dignes, garde son honnêteté. Quand la gens préfère manger leur pauvreté là, à la maison, et puis comme ça, pourou. Ils préfèrent ça au lieu de vendre leur dignité. Avec on les relate. Donc je me limite là, vous les bêtes là, c'est-à-dire vous les, comment on appelle ça, vous les petits supporters d'Oumbia qui ont une petite mémoire là, n'a fal n'yana. Pensez vous retourner à Conakry. Venez rendre compte, parce qu'on a de la Kenema. Est-ce que vous comprenez? Oh, attendez. Moi, je vais vous aider. Il y a d'autres qui veulent seulement me distraire. Est-ce que vous comprenez? Donc, chers frères et sœurs, nous nous demandons que l'argent du pays soit remis à sa place. Alors, nous avons directement sur nous, comme Dunia Debraï,
Dumbia lui-même, il a compris qu'il ne peut pas être candidat. Lui-même, il a compris que ce qu'on a dit là, que s'il devient candidat, le Mandin va le supporter. Allez, Braille, que le Mandin ne va pas le supporter. Vous savez, allez, Braille, bi. Non, Klima Babo, comme il est parti chez lui, il était chez lui. Allez, Braille, voilà. Merci, Mariamba, merci, Cousine. Allez, Braille, allez, Braille, comprends. Donc, moi, je pense que Ambebra Bamaboutou, personne ne va se lever après pour aller le trouver. Voilà, dans sa maison où se trouvent les corps des gens, où se trouvent des petits cimetières, Bekalonko, on enterre les gens au palais Mohamed V. Moi, je le dis, et puis je m'adresserai au prochain président de ce pays, après le procès à Fakonde, qu'on rase le palais Mohamed V et le palais Sekouzouria, qu'on envoie nos palais là vers la sortie, vers Kindia et vers Forécaria. C'est mieux comme ça, parce que les deux palais là, si c'est le médicament, fétichisme, si c'est des corps, des gens entrés dans les palais là, au braquet, il y a eu trop de sang dans les deux palais là. En tout cas, le prochain président doit réfléchir 1000 fois avant de dormir là-bas. Évitez, nous allons faire de sorte que le prochain président ne travaille plus dans les deux palais là. Parce qu'il ne faut jamais travailler où des enfants, des gens ont été égorgés, des gens sont enterrés. Ah non, 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 non. En tout cas, je connais pour deux personnes. Si c'est Dr. Kassori qui vient après le procès Alpha Condé, c'est que lui ne va pas rester là-bas. Et si c'est Lassana Ndiallo qui vient après Alpha Condé, c'est lui n'ira pas là-bas. Parce que nous allons faire de sorte que nous expliquons à ces deux personnes-là, en tout cas un parmi les deux, qu'il faut éviter de rester dans un palais où des enfants, des gens ont été enterrés. Il y a eu trop de sang versé dans les deux palais-là. Donc, s'il y a eu trop de sang versé là, trouvons une autre maison en attendant qu'on construise un palais. Aujourd'hui, construire un palais, il faut parler aux Chinois. Les Chinois là, je dis, en moins de 6 mois, ils te font un palais. Donc, en tout cas, d'or, Ambra a insisté à quand Alfra Ouya Fola est quoi, c'est que la présidente de Yamana Menkono. N'insistez pas, parce que si vous insistez là, ce qui va s'en suivre là, vous serez les seuls responsables. Et quand on parle une fois, moi le Kounya Kouma Broka, on parle à Fala Nyana, Doumbouya est égal à la guerre civile. Doumbouya ne peut pas avoir deux mandats dans ce pays-là. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas avoir deux mandats dans ce pays-là. Ne répondez pas aux jeunes Konyankés qui insultent, ne répondez pas. Voilà, quand on voyait un jeune, quand on voyait les noms là, quand on voyait des noms qui se Bakari, qui terminent par Y, ce sont des Konyankés. Quand on voyait Abouya, c'est écrit Abou, c'est souvent des jeunes Konyankés, ne répondez pas. Ça, c'est les parents de Amara. Est-ce que c'est les parents d'Amara? Donc, Ayaki Alaye, Amin Alama. Ça suffit maintenant. Aouya Fobouloka. Mon grand frère Siavane, bonne fête grand frère, depuis Nouak. Bonne fête grand frère. Aouya Fobouloka, ça suffit maintenant. C'est terminé, arrêtez de mentir. C'est fini. Doumbouya ne peut plus être. Doumbouya ne peut pas faire deux mandats, même un mandat. Pardon. Pardon, Mlele Balamadia. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui à Kankala, Aïdebra Niaï, c'est terminé. À Tisekala, chef de Abraban. Même ce qui s'est passé à Kankala, les partisans de Sosla, les partisans de Ousmane Kaba, se sont ajoutés. Regardez la masse. Le RPG, parce que le RPG Bebrake, Doumbouya a fait. Avec le faut avant que Doumbouya n'arrive. Au jour d'Ibana, ça va casser l'esprit du RPG à Kansel. Aïbranyei. Donc, Folibaye Alnien. Alphoni, aïe bonne fête. Voilà. Aïe bonne fête. En tout cas, Ne poussez pas le petit dans l'erreur là, ni insistez là. Parce que petit va insister quoi, et que la candidate dit Wallah, billah, téléphone, guerre civique à la Guinée. M'bala fal n'yana. Ebranye. Foni, guerre civique à la Guinée. Foni, guerre civique à la Guinée. M'bala fal n'yana. Regardez comment les gens sont dans les stades. Regardez à Kankara. Regardez les 16 vides là, regardez. Doumbouya n'est pas venu s'asseoir là. Les 16 vides. Ils voulaient se comparer. On ne peut pas comparer un président élu par le peuple. Le représentant du peuple. Lui, il a été élu par le peuple. L'autre, là, a fait, comme dit Matou sur Dioma FM, là. Mais il a fait une bêtise. Il a fait une bêtise. Bec à long.
Donc, portez-vous très bien. Bonne fête à vous. Voilà, en attendant, moi, je continue à manger ma viande. Voilà, donc, les autres, là, bravo, Nyana, si vous cessez d'insulter, là, c'est que vous n'êtes pas des... Je vous ai dit ça. Tant que vous ne continuez, c'est-à-dire, tant que vous n'arrêtez pas là, le jour où vous allez arrêter de m'insulter, là, je vais... C'est-à-dire, comment on appelle ça? Si vous arrêtez de m'insulter, là, je vais vous insulter à mon tour. C'est à cause de ça que je vous encourage de m'insulter. Continuez à insulter, parce que si vous arrêtez là, c'est que vous n'êtes pas digne. Bravo, Nyana. Brigitte, comment vas-tu, ma soeur? Bonne fête à toi. Vous allez échouer. Voilà un échec. Et ceux qui ont pris l'argent pour rester à Conakry, préparez-vous de parler avec Moridi. Moridi, que s'ils rentrent à Conakry, tous ceux qui ont pris l'argent pour rester à Conakry, là, ils vont rembourser. Mais Alphonse Diolé, dites-lui qu'on ne peut pas voyager avec 500 000 à Cancan. Voilà. Voilà. Dites ça à Moridi. Maintenant, ceux qui ont eu 10 millions, 20 millions là pour aller. Oulfanaya est préparé pour faire un compte parce qu'il a fait la liste. À quelle liste le quai? Il a fait une liste. Il a la liste. Les sections, les sous-sections. Donc les chefs là n'ont qu'à se préparer. Parce que Doumbouya est très en colère. Voilà. Amalon Nukatubado par la petite porte à Maman Kankelou. Mon l'avenant, il n'a pas voulu faire de bruit. Akunda la cellule qui cosse. Mais même qu'avocat est dans la benko manikal beyako. Parce que Okuma le fonu. Comment il y a des bébés, voilà, Béama. Quoi, il y a à faire. Voilà, Nabaya le audio, Kanka Nabaya. Bate. Donc, bonne fête à tout le monde. Portez-vous très bien. En attendant, là, continuez à souffrir sur ma page. Continuez, vous, les petits supporters, les petits communicants, les insolents, là. Alors, continuez. N'est-ce pas, parce que vous nous tenez responsables de tous les échecs de Doumbouya. Mais l'humiliation mondiale, là, ma main est depuis Soroni. Ça allait prendre un pont qui est fait depuis un autre pays, là, Coco Pont 4 km transition, il m'a Kabon. Et puis ça, là, cela est fait par des journalistes, des intellectuels, même les Touaboukam, bref, voilà. C'est la honte mondiale, ma maman Batourou, bonne fête. Il m'a encore Maloya Kabon. Un pont fait dans un autre pays, Kanakob, là, voilà. Et puis, un Zakaria Tambazaka se permet qu'on dit Doumbouya ne travaille pas, et voilà. Et puis les partis supprimés sont... Vous avez vu comment on vous trompe. Dès que les gens ont... C'est-à-dire, les gens là pensent que les autres là ne sont pas allés à l'école. Dès que les gens sont partis donner le pont, le montant, la ville où le pont là, Jacques Tambazaka a pris là, il a effacé son poste. Il n'a pas honte. Non seulement il a détourné les enfants des gens. Voilà, la fille peut là, qu'il a eu par la force, qu'il a marabouté... Fétichisme, il est passé par l'église pour tromper l'enfant des gens. Et aujourd'hui, là, il se permet de mentir. Moi, je pense que Tambazaka est arrivé à ton studio de trois chambres, là. Tu auras honte. Voilà. Moi, je connais les Kissiens. Les Kissiens sont très amicaux. Les Kissiens sont très respectueux. Mais voir un Kissien malhonnête. Franchement, un Kissien malhonnête. J'ai dit, c'est maintenant là, moi, je commence à voir des forestiers trop malhonnêtes. C'est maintenant là, avec la junte là. Sinon, dans ce pays-là, si on commençait par compter les sérieux, les gens prenaient souvent les forestiers. Mais maintenant là, nous sommes les premiers malhonnêtes dans ce pays-là. Quand tu cherches les malhonnêtes aujourd'hui, il ne va même pas quelque part. Il faut aller en forêt. Nous sommes malhonnêtes jusqu'au dernier mot. Sinon, il y a des professeurs, des docteurs. Aujourd'hui, nous sommes dans la technologie. Merci, honorable. C'est au Nigeria, merci, honorable Kourouma. C'est au Nigeria, le pôle là. Et puis, tout est là. Et puis, le montant, il y a un jeune même qui a donné le montant, le financement, c'est-à-dire le prix même du pôle là, il a donné. Bekaï, c'est écrit comme des millions de naira. Il a mis comme des millions de naira. Ça, c'est au Nigeria. Voilà un vaurien, un vagabond journaliste, un voleur de femmes, qui s'en va afficher là-bas, là, qu'on ouvre, les gens disent, Doumbouya ne travaille pas. Tu penses que tu pourras que ce contre les communicants alphaïstes, là? Parce que toi, c'est nous qui avons déquiloté le grand gueule. Aujourd'hui, vous n'avez même pas 100 personnes, 200 personnes qui peuvent suivre les grands gueules. Même s'il y a 20 personnes, un débat est houleux, là, vous n'avez même plus 100 personnes pour vous suivre. Même 100 personnes ne suivent plus le grand gueule. Sinon, avant, là, c'était 2000, 3000. Mais regardons aujourd'hui. Jamais. Discrédit, malhonnêteté, mensonge.
bande de vauriens réunis dans un cabinet en train de mentir. Je dis, c'est maintenant on voit des forestiers menteurs. C'est partout. Voilà, Gomu, ils sont nombreux, les Bogolans à bas, ils sont nombreux comme ça, des menteurs. Voilà. Moi, là, je le dis, aujourd'hui, nous sommes devenus les numéro un en Guinée, nous. Poro.